toujours un Pause Voice. Nous poursuivons notre émission, mais les messages également arrivent. Merci infiniment de toujours rester en notre compagnie. Salut tout le monde sur le plateau. Vous êtes tous mignons aujourd'hui, surtout Tata Océane. À la fin de l'émission, je viendrai prendre votre habit. Alors aujourd'hui, spécialement, je suis habillée par la marque Moria dans la toute dernière création qui s'appelle Zenab en célébration à la Journée internationale de la femme. Alors vous pouvez retrouver les t-shirts dans les boutiques Moria et également chez Dela. Anaïs Concept. Voilà, ah. Anaïs Concept. Merci. Chocolat là, ça te. Chocolat, ça nous freine, hein. Bon, maintenant, I will let you know. Je suis avec Let Me Know. Ah. Let Me Know. C'est le niveau. Ils n'ont pas compris, hein. Bon, allez, on a un jeune artiste togolais qui est avec nous aujourd'hui. Vous allez voir à quel point le Togo, les rues, les maisons regorgent de talents, vous en doutez. Mais maintenant, vous serez rassurés. Let Me Know. Voilà. Mm. Let Me Know, on est avec Let Me Know. Mais aujourd'hui, on est en la veille de la femme, de la fête de la femme. Ah, la veille de la femme. À la fête. Ça va aller. Moi, j'ai raconté de la femme. Ça va aller quand même. Est-ce moi aussi là? Attends. C'est quoi qui est mélangé dans son verre? Parce que, non, mais qu'est-ce que tu as mis dans le verre de la fête? Non, on est à la veille. Non, on est à la veille de la fête. Il n'y a rien de spécial. Non, vous pouvez comprendre. Mais si la veille de la fête est comme ça, j'imagine un peu la fête. La fête, même. Le matin. Bien. Il y a des qui ont non, il y a rien de spécial dans son verre. Non, que des fruits. Que des fruits. Mais j'adore. J'adore comme ça, ça. J'adore ça. J'adore. On n'est pas à la veille de la femme, mais à la veille de la célébration de la femme. La Journée internationale des droits de la femme, monsieur. D'accord, comme vous avez dit là, c'est ça. Donc, du coup, j'ai invité un jeune artiste qu'on va découvrir. Son nom, c'est Lemino. Déjà, si je peux commencer par savoir ce que ça veut dire, Lemino. Ça veut dire quoi, Lemino? Ah bon, merci, monsieur Manu. J'ai une question très mignonne que vous venez de poser. Voilà. Je vais dire que Lemino est extrait du mot Let Me Know en anglais. En anglais. Ouais. Qui veut dire pour John qui ne comprend pas. Qui veut dire tout court, fais-moi savoir. Ah, Let Me Know. Fais-moi savoir. D'accord. Non, toi, l'anglais ne dit pas Let Me Know. Tu apprends non, comment. C'est américain, Let Me Know. Ah. Let Me Know. Martha est passée par où même? Oh là là, Martha. Pas. Dans le vrai anglais, tu n'entends même pas dire la mienne. Mais là, on parle de let me know. Let me know. En minon, ça veut dire manana nya namanya. Voilà, donc c'est bien ce qu'on. Ça, hein? Ouais, c'est ça. Voilà. Ce qu'on va savoir tout à l'heure, quand même, c'est qu'il a un morceau et qu'il parle de la femme. Et on va y aller en live directement. Je vais t'aimer, je t'aimerai de tout moi mon cœur, je t'offrirai tout ce que tu voudras, si seulement tu pourrais me donner tout ce que je veux de toi baby, ça ne serait rien que toi et moi, juste nous deux dans le noir, je t'emporterai au bout du monde, baby. Je rendrai ta vie pareille à l'Éden. Et je te l'avoue que tu seras ma reine. Je te promets que tu seras ma femme, mon ange saveur de goût. Ta sœur est que toi et moi, baby. Toi et moi, baby. Toi et moi. Ta sœur est que toi et moi, baby. Toi et moi, baby. Toi et moi. Ta sœur est que toi et moi, baby. Toi et moi, baby, toi et moi. Ta sœur est que toi et moi, baby. Toi et moi, baby, toi et moi. Ah. D'accord. Toi et moi aussi. Toi et moi aussi. Lemino, je dis. Non, là, je dis Lemino parce que au dernier moment. Elle est toi dans le noir, là. C'est pourquoi complètement. Parce que oui, parce que tu es trop jeune pour ça. Hein? Non, non, non. Tu es à tous les âges. Qu'est-ce que tu dis, Marc? On aime à tous les âges. Non, on aime à tous les âges. On aime à tous les âges. J'ai entendu un homme. Je suis d'accord avec vous.
tue, c'est mieux de ne pas répondre. Vous avez le droit de garder silence. Sinon, tout ce que vous direz sera retenu. Voilà, ça ne peut venir que de ça, et ça, et ça parle de la femme et surtout de l'amour qu'on doit donner à la femme qu'on aime. Comment on doit traiter celle-là qui devient votre reine. Et les mots sont bien choisis. Moi, j'adore énormément. Mais pourquoi vous avez choisi de parler de la femme, de chanter la femme? Vous voulez chanter l'argent ou je sais pas? Mais bon, c'est, je dirais, ça me plaît de prendre le côté amour parce que je, dans le showbiz... C'est ça qui marche. Ouais, c'est ça qui marche le plus. L'amour marche. Ouais. Je passe sur l'amour pour avoir son... Non, tu es à nos jours aujourd'hui. C'est l'amour qui marche. Ah bon, oui, bon, pas l'amour qui marche dans tout le monde. Chanter l'amour marche. Ouais, ça marche le plus. Chanter l'amour marche, hein. Ouais. Okay. Apparemment. Ah, Joël, on sait quelque chose. Il y a... Chanter l'amour marche. Ce qui est important, c'est qu'on amène la relève de Domé à faire du live et à faire de la bonne musique. Mais comment vous avez trouvé sa voix quand il chantait? Waouh. Mais alors, c'est belle. Il faut rappeler que... Attention, attention. Là, présentement, on a deux émissions. Il y a une émission dans le derrière, studio ouais, et ouais. Il y a une autre émission sur le plateau. Je veux juste demander le silence, les gars, s'il vous plaît. Il faut... Mais donnez-moi le nom de l'émission qu'il y a derrière là-bas. Ça me fait plaisir. Et puis, qui anime là-bas? Non, bon. J'ai vu deux têtes que je connais. C'est la pause bis. Alors moi je voulais dire, c'est vrai que Lemino a une bonne voix. Mm-hmm. Pas une belle voix. Merci. Enfin, selon moi, une bonne voix. Quelle est la différence? Mais qui a besoin de travailler. Quelle est la différence entre belle et bonne? Ça veut dire que bonne, si on la travaille, elle deviendra belle. C'est ça. Bon. Et s'il se met au travail, il fera mieux que ce que nous avons eu tout à l'heure. Moi, ensuite, il y a. Belle, et je la trouve bonne. Pour le reste, il ne faut pas juste rester sur les victoires d'aujourd'hui. Il faut continuer à la faire faire. Je trouve que ça peut donner quelque chose d'extraordinaire. Et on peut retrouver un petit single à tout voulait. Hein? On a notre Mopao national, pourquoi pas un single national? Bah ouais. Yeah, mm-hmm. Mais ce qui est sûr, c'est que Joël a en partie raison. Le verso de ce qu'il dit, c'est qu'en studio, tu n'aurais jamais remarqué tout ça parce exact. Que le studio, ouais. Voilà. Mais moi, j'amène tout ce que je rencontre à faire du live parce que voilà, c'est ce qu'on fait. Félicitations, félicitations Manon. Oui, ouais. Moi, je tiens à féliciter Manon parce que c'est une belle pour des jeunes talents à les amener sur des plateaux pour s'exprimer. Ouais. Félicitations, mon frère. Et envoie-nous encore de jeunes talents. Yeah, en plus, pour vous voir les jeunes talents que les talents. Il y a whisky dans ça. Là. Question. Oui. Question pour les minots. La dernière vous êtes question, étudiant, vous êtes élève. Qu'est-ce que dans la vie? Je suis élève. Laissez votre oreille, ça va tomber. C'est vous qui l'emmenez. Le stressé, hein. Stressé comme ça. Faut pas intimider, mon gars. Oui. Faites quoi dans la vie? Je ne sois pas intimidé. Je suis élève. On est en tête. Je suis en classe de seconde cette année. Waouh. Super. Et vous décidez de faire quoi? Carrière dans la musique ou vous rêvez de devenir quoi? Les minots. Voilà, je dirais, bon, j'accumule les deux oui. Et j'essaie de faire à ma manière, mais je ne laisse pas les études de côté. De côté, non. J'essaie de faire au mieux dans tous les deux. Donc voilà. C'est bien. Il faut prendre soin des deux parce que les deux vont bien payer, je me dis. Et puis vous êtes assez intelligent. Lorsqu'on entend quand même les paroles de cette chanson, les mots sont bien choisis, bien rimés. C'est bien. Hein. C'est un très très bon début. Merci. Félicitations, Lamino. Hein. Eux là, ils n'ont pas pu faire. Bon, sauf que si j'étais une fille, je ne tomberais pas aussi facilement. Heureusement que tu t'as créé homme. Félicitations, Lemino. S'il y a des gens qui nous suivent, j'arrive à un instant, qui nous suivent et qui sont quand même aussi touchés comme nous ouais. Et qui veulent donner un coup de pouce parce qu'il est très jeune. Et voilà, on les prend jeunes pour qu'ils deviennent forts et meilleurs pour demain. Donc, je pense qu'il y a un numéro sur lequel on peut le joindre. Ouais. Et après quoi, John va poser sa question. Qui a appelé mon bic? Numéro. C'est quoi le numéro? Le numéro. Lemino, je regarde sur le 93. Un numéro, 93. 77. 24. Et le 91. Ouais. Le 93, 77, 24, 91. Pour
pour soutenir notre jeune artiste, décider de le produire, pourquoi pas. Vous ne savez pas qui sera le plus grand artiste du Togo dans quelques années. Si ça se trouve, si Dieu veut, c'est Lemino aujourd'hui. Et je serais vraiment contente si la régie pouvait prendre une photo de nous deux tout de suite. Comme ça, quand tu seras Singila, tu ne vas pas dire que tu ne me connais pas. Hein. Tu vas te rappeler de cet instant-là. N'est-ce pas? Félicitations pour ce que tu fais. Regardez un peu vers ici. Oui, voilà. Il faut qu'on fasse ça. Voilà. On va déjà pour toi. Merci. Allez, on va marquer une petite pause. À présent, intermède, nous allons parler cinéma avec notre cher ami Joël et nous allons être également rejoints par Miss Sandrine. Mais avant ça, Monsieur Smoothie Chocolat. Oui. Merci, non, mais il y a une idée. Ah, oui. Voilà. On est en train de tester, voir si le chocolat bon. Hein, est bon. Voilà. Alors, Yannick, commandez les smoothies. Sur quel numéro on peut vous joindre? Sur le 90 66 34 43. Le 90 66 oui. 34 43. 43. C'est pour commander les smoothies. Oui. Ils ne pourront jamais imaginer à quel point c'est bon. Il faut qu'ils goûtent d'abord. Non, ils n'ont pas besoin d'imaginer. Il y a des batailles de smoothies sur le plateau. Mais bon. Mais alors... vous savez quel âge je suis? C'est la c'est pause. Allez dans la pause. José. Intermède et on retrouve notre cher Joël avec sa tête qui se cherche dans le jingle. Allez.